Attention, cette vidéo étant très longue, je vous conseille de la regarder en plusieurs fois ou de garder du temps devant vous. Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui, vous pouvez pas savoir comme je suis content, avec une réplique que j'attends depuis longtemps, que j'attends depuis 2014 je crois. Il s'agit d'une réplique distribuée par Humarex, une réplique fabriquée par VFC, une réplique à gaz. C'est le HK416A5. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier chaleureusement Bruce de BB2K Airsoft. C'est une chaîne allemande. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on fait des trucs parfois l'un pour l'autre. Et bien là, il m'a tout simplement servi d'intermédiaire pour contacter Begadi, qui m'a donc recontacté ensuite pour me proposer de m'envoyer cette réplique VFC. Je les remercie également chaleureusement pour leur confiance. Tout le monde connaît déjà cette réplique, le HK416D, pour défense. Hein. Donc ceci, c'est un modèle WE-GBBR que j'ai depuis moult temps. Je crois que je l'ai acheté en 2009, celui-ci. Il a quelques petites modifications. Hein. J'ai essayé d'en faire. En fait, un HK416 CP-A10. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Bon, ça va que je fais plus trop de tenues, machin, dégoûté que j'ai été par les forums. Parce que depuis 2014, me semble-t-il, le CP-A10 a reçu des HK416A5. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard quand on parlera des couleurs. Voilà, le HK416D, tout le monde connaît. On va voir un petit peu les différences également qu'il y a entre le D et puis... Enfin, donc, c'était le A3 et donc le A5. En fait, pendant cette vidéo, je me suis mélangé un peu les pinceaux entre le A1, le A2, le A3, le D. J'aurais dû dire D tout simplement. Le A1 étant la version standard, le A2 étant la version a priori qui équipait les forces spéciales françaises. C'est une version qui résiste à l'eau. Et puis la version A3 qui est une version avec un bloc d'emprunt des gaz qui permet d'utiliser l'arme en mode normal ou en mode suppressed. Si vous aviez regardé mes vidéos consacrées à l'IWA, vous aviez vu que j'avais un petit peu filmé ces HK416 au mois de mars. Et bien là, voilà, il est disponible, enfin en tout cas en Allemagne. Le prix chez Begadi est de 500€, j'arrondis, hein, c'est 499,90 TTC, hein, donc vous avez 19% de taxes directement chez Begadi. L'envoi se fait rapidement, la réception se fait rapidement par transporteur, vous n'avez pas d'autres taxes à payer, c'est magnifique. Vous savez combien vous allez dépenser une fois que vous avez mis le truc dans votre panier et que vous avez payé avec PayPal ou n'importe quel autre moyen de paiement. Gamme Humarex, forcément, ils ont la licence HK, toujours les mêmes boîtes. Donc noir avec le logo HK en rouge. Et puis le No Compromise sur la boîte écrit en gros. Mais on s'en fout, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Hop hop. Ici il est bien calé dans sa boîte par des bidules en carton. Voilà, ça c'est. Rodriguez. La réplique elle-même est dans un sac plastique. Vous allez avoir également un chargeur avec cette réplique. Ici est un chargeur HK. Il y a quelques petites différences avec les chargeurs Stanag normaux, bon c'est compatible hein, bien sûr, mais vous allez avoir des marquages avec le calibre. Et puis on peut voir que, comme sur la plupart des dernières productions chez VFC, vous allez avoir la valve de chargement qui est située à l'arrière du chargeur, sous la valve de percussion. Ici donc le système d'arrêt de tir en fin de chargeur dont cette réplique GBBR est équipée. Ce sont des chargeurs de 30 coups, donc parfait si vous voulez vous la jouer réaliste. Le chargeur pèse 400 grammes, bon, c'est moins lourd que les chargeurs GHK par exemple, et c'est plus lourd qu'un chargeur d'AEG. Hein. Également dans cette boîte, vous aurez un BB Loader 90B, avec un petit embout spécifique, alors vous pourrez l'enlever si vous n'en avez que faire. Alors contrairement au chargeur du Scar H qui est sorti il y a quelques mois, vous ne serez pas forcément obligé dès le début d'utiliser cet adaptateur, on peut remplir les chargeurs avec un BB Loader normal. Hein. Et puis vous avez un manuel d'utilisation multilingue.
coup ici on a anglais, espagnol, français, allemand. Vous pouvez voir ici derrière qu'il y a plusieurs versions, une version semi-auto seulement, réservée à l'Allemagne, et puis une version avec le semi et le full. Donc oui, j'ai reçu une version bridée en semi. Moi ça me dérange pas étant donné que je ne joue qu'en semi. J'achèterai néanmoins un disconnecteur neuf de chez VFC, enfin ou un vrai hein, parce que ça passe. Au cas où je dois un jour tirer en full, bon, voilà quoi, c'est pas forcément ma priorité. La pièce coûte, je sais pas, une dizaine d'euros et encore. Enfin, sachez que ça va être une constante si vous commandez des répliques en Allemagne. Le full est limité à 0,5 joules. Là, étant donné que la réplique fait plus de 0,5 joules, enfin, elle peut du moins tirer à plus de 0,5 joules. Le semi n'est pas disponible. Voilà, il y a plein de choses dans ce manuel, enfin c'est la base, ça fait pas non plus 50 pages. Lisez-le avant d'utiliser la réplique, parce qu'il y a des petites infos concernant le réglage du hop-up, par exemple, ou des choses comme ça, qu'il est toujours bon de connaître. Et puis c'est tout, voilà, il y a la réplique qui est là, dans un sachet plastique. On va la détailler tout de suite. Punaise, c'est beau. Donc c'est la version 11 pouces. Je ne sais pas encore si VFC, enfin Umarex, a prévu de commercialiser les versions 14,5, 16,5 ou 20 pouces qui sont disponibles en version RS. Il y a quand même pas mal de différences entre le HK416, donc D, enfin A3, et le HK416 A5. Je vous donnerai un peu plus de détails, enfin je ferai des photos côte à côte pour la review écrite dans l'entre-le-blog. C'est vraiment une réplique qui est superbe, avec une chouette finition. C'est souvent le cas quand même avec les répliques VFC, hein. Je vous avoue que mes principales interrogations concernant cette réplique, ça sera au niveau du hop-up, du cooldown, de ses capacités à tirer droit, enfin bref, les questions qu'on peut se poser à chaque fois qu'on reçoit un nouveau GBBR de chez VFC. Je dois avouer que le Scar H m'avait agréablement surpris, très très agréablement surpris, tellement agréablement surpris que je l'ai gardé d'ailleurs. Cette évolution du HK416, elle vient d'un besoin, surtout pour les forces armées. Ça vient toujours de chez les Américains, hein. Ils cherchent toujours voilà, un fusil de remplacement pour le M4, etc. Donc ils passent des appels d'offres, ils demandent aux différents fabricants d'armes « qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Donnez-nous un truc super chouette !» Donc HK est arrivé avec cette version du HK416, donc une version améliorée, pour être plus polyvalente encore que la version précédente. Bon, après, il y a toujours des questions financières qui se posent, et du coup, il me semble que le A5 n'a pas été adopté par l'armée américaine. Cela dit, et c'est là que avoir cette réplique disponible en Airsoft, déjà en GBBR, et puis je l'espère bientôt en AEG pour nos amis qui aiment bien les AEG, c'est qu'on va avoir une très très bonne base pour faire un HK416F. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que en septembre-octobre dernier, c'est HK qui a remporté le marché pour remplacer le FAMAS dans les armées françaises. Et vous verrez tout à l'heure qu'en quelques petites étapes très très simples, on peut transformer ce A5 en F1. Cette réplique est fabriquée essentiellement en alliage, que ce soit au niveau du receveur supérieur, inférieur, le rail, toujours un rail flottant, le tube de crosse, la bague, le levier d'armement, le canon externe, et puis vous allez avoir un petit peu de plastique quand même. Au niveau du grip, alors ce grip c'est le Battle Grip version 2 de chez HK. Donc la version 1, vous aviez pu la voir par exemple entre autres sur le HK416C ou sur le HK417. Et puis on a également cette crosse, donc cette crosse qui remplace la crosse E1. Hop. Et sa particularité c'est d'être vraiment fine. Et ça tombe bien parce que HK l'a appelé Slimline. Donc ligne fine, pas comme moi, hein, comme vous pouvez le voir, plus ça va plus j'engraisse, moi je suis plutôt heavy line. Le cache-poussière sera également en plastique, et bien comme sur les vrais HK416. Hein. Le sélecteur est également en plastique, et il est ambidextre, voilà, trois positions. Une petite différence entre le sélecteur de ce HK416 A5 Airsoft et puis le vrai. Sur le vrai HK416 A5, vous pouvez mettre l'arme en sûreté, même si elle n'est pas armée. Ici, on doit avoir une mécanique qui est sensiblement la même que sur les modèles précédents. Donc, il va falloir armer pour pouvoir passer en sûreté. Bon, c'est une petite entorse à la réalité. Après tout, on fait de l'airsoft. Hein. Et puisqu'on parle des contrôles ambidextres, c'est vraiment un des atouts du A5. Sur le 416D, vous aviez des contrôles qui étaient prévus pour les droitiers, comme sur un AR-15. Ici, tout a été fait pour que l'arme, donc la réplique, soit utilisable indépendamment par un droitier ou par un gaucher. Du côté gauche de la réplique, vous allez donc retrouver ici l'arrêtoir de l'ensemble mobile et l'arrêtoir de culasse. On peut voir que c'est un modèle plus large et qui est protégé ici par une arête afin de ne pas être actionné accidentellement. Donc ça, c'est sympa.
Par contre, en dessous, ce qui est nouveau, c'est qu'on a un bouton ici, et bien de désengagement du chargeur. Et si je retourne la réplique, ici on va avoir le bouton de rétention du chargeur classique, et là donc notre arrêtoir de culasse qu'on peut actionner avec l'index. Ça c'est très très sympa. Sur ce modèle A5, on retrouve également un pontet hiver. Alors c'est pas moi qui l'appelle pontet hiver, hein, c'est HK. Vous voyez, il est évasé, ce qui fait qu'on va pouvoir ici tirer, même si on a des gros gants. Alors il n'y a que le levier d'armement ici qui n'est pas vraiment ambidextre, qui n'est même pas du tout ambidextre, hein, parce que vous allez pouvoir l'actionner par exemple comme ceci avec votre main gauche. Par contre, si vous êtes gaucher, eh bien, il faudra faire comme ceci. Alors autant sur la réplique, c'est pas trop un souci parce que les ressorts, ça va quoi. Mais sur un vrai, il faut quand même tirer un petit peu. Hein. Je vous ai pas parlé des marquages encore, vous les voyez depuis tout à l'heure. Là. On a le HK qui est sur l'ensemble mobile ici, très sympa. Et puis en dessous, voilà, donc version européenne, c'est pas la version Asia. License Trademark of Aquarium Corps GmbH, Germany. Alors la seule chose que vous avez à faire, si vous voulez les vrais marquages, eh bien ça va être de repeindre ou de bronzer ou d'effacer ici la licence trademark. Pas non plus quelque chose de chouchou à faire. Hein. Donc les marquages du sélecteur de tir, vous les avez vus. Hein. Et puis de l'autre côté, on a ici HK416, le calibre de la vraie arme, marquage HK. Également sur le receveur supérieur, et puis un numéro de série. Vous parlez du Battle Grip V2 tout à l'heure. Ici, comme c'est un GBBR, vous n'avez pas eh bien, de moteur hein, dans la poignée. Donc on peut enlever ici, comme sur le vrai, le couvercle, et puis mettre des piles ou des accessoires, ou une trousse à outils. Alors le vrai est fourni avec une trousse à outils. La seule différence qu'il va y avoir là, c'est qu'il n'y a pas de joint torique à ce niveau-là. Si vous voulez en mettre un, il faut le mettre, hein, les gars. La crosse, elle est montée sur un tube 5 positions. Et puis, vous pouvez voir aussi l'énorme écrou du tube. Voilà, ça, c'est aussi une différence. Avec ici, un attache-sangle ambidextre. Ça, c'est chouette. Ici, vous avez un petit bidule à déverrouiller pour ôter de la plaque de couche. Je suis pas certain qu'on puisse l'enlever sur la vraie crosse. Si vous avez acheté une vraie crosse, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont commandé, d'ailleurs, justement, en Allemagne. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si sur vos vraies crosses vous pouvez enlever la plaque de couche, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de rangement comme sur la crosse E1. C'est plat, donc il n'y a plus d'histoire convexe, concave, c'est relativement universel. Vous n'avez pas ici de position de crosse, mais vous pouvez toujours les peindre. Bon, c'est pas mal. Bon, ici, forcément, le rail Picatinny, il nique un peu les doigts, donc soit mettez des gants, soit mettez des couvre-rails. Et on peut voir que tous les emplacements du rail sont marqués. Voilà, ça permet de garder une constance sur l'emplacement de ces accessoires. Les emplacements du upper sont également marqués. Donc toujours ce même système de rail flottant, hein, il ne va pas toucher le canon externe. Par contre, c'est la vis de maintien là, qui change. Sur le A3, on pouvait enlever en fait, le rail grâce au tenon de la culasse. Bon, faites pas sans airsoft les gars, parce que sinon vous allez niquer votre nozzle. Ici, c'est juste un tournevis ou une clé. Mais une fois encore, le vrai fusil est fourni avec une trousse à outils. Puisque je parle du rail, je vais en venir aux organes de visée. Donc sur cette version 11 pouces, le Hutton est intégré ici au rail. Donc c'est très chouette. Alors après, on va pas pouvoir le régler en hauteur ni rien. Mais ça évite de se prendre partout là, dans les branches ou quoi. Par contre, à l'arrière, ils ont gardé l'œilleton, voilà, enfin la hausse si vous voulez, réglable en hauteur et puis en dérive. Donc ça, c'est pas mal. Elle peut être enlevée. Parfois, elle s'enlève sans qu'on le veuille. Hein. Je connais un nombre conséquent de personnes qui ont dû faire un compte rendu suite à la perte, par exemple, de cette pièce lors d'un saut en parachute, par exemple, ou d'une manip. Dans les bois. Donc voilà, je sais bien qu'on fait de l'airsoft, mais soyez quand même prudent à ne pas perdre cette pièce. La visée est sympa, non, franchement, c'est bien en organe de secours. Hein. Je sais que la plupart d'entre vous va mettre un point rouge. À l'avant de la réplique, ici, on va voir le bloc d'emprunt des gaz. Alors, ici, on a un petit marquage au niveau du rail. Non-suppressed et puis suppressed. Donc sur le vrai, on peut faire varier le débit de gaz si on met un modérateur de son ou quoi. Ici, attention, ceci, c'est la molette de réglage du hop-up. Si vous tournez comme ceci, donc réplique face à vous, vers la droite, vous augmentez le hop-up. Si vous retournez comme ceci,
vers la gauche, vous diminuez le hop-up. Alors c'est super sympa parce que du coup il n'y a pas besoin d'outils ni rien du tout. Le problème c'est que si on se prend dans une branche ou que sais-je, si ça commence à tourner et à bouger, et bien suivant dans le sens dans lequel ça tourne, vos billes, elles vont pouvoir plonger ou elles vont pouvoir s'envoler quoi. Alors je suis super content qu'il ne faille pas utiliser une clé Allen de 1 longue de 50 cm pour venir chercher une vis cachée à l'intérieur du canon ou que sais-je. Mais soyez vigilants en partie, hein, si vous voyez que vos billes commencent à faire n'importe quoi, il est fort probable que ce soit votre réglage de hop-up qui ait bougé. Le Cashflam, c'est un modèle classique. Donc, il y a de grandes chances que ce soit un modèle... oui, voilà, c'est ça, c'est un pas à 14 mm négatif. On peut voir ici que le canon vient affleurer. Donc, ce qui est sympa, hop, voilà, c'est qu'on va pouvoir remplacer ça par un modèle un peu plus sexy, ou si vous voulez mettre un modérateur de son, justement, c'est toujours sympa. Ouais, je sais, j'ai l'air content, c'est pas cool, mais bon, les gars, je suis fan de HK, moi j'y peux rien. Mais depuis tout à l'heure, les mecs qui connaissent un peu les différences entre le A3 et le A5, ils sont en train de se dire « Oui, mais bon, t'as pas parlé du puits de chargement. » Effectivement, le puits de chargement, il est en biais, il n'est plus droit. Donc, fini les mésaventures avec les PMAG, par exemple, qu'il faut limer ou qu'il faut modifier pour que ça puisse rentrer dans votre 416. Une des évolutions, effectivement, du A5, c'est que on rabote un petit peu le puits de chargement. Du coup, on est compatible avec la plupart des chargeurs Stanag. Hein, je dirais même tous, en fait. Alors, cette réplique existe soit en noir, soit en version RAL 8000. Alors, RAL 8000, c'est... vert marron quoi, enfin c'est voilà, une couleur similaire au G28 qu'on voit partout. Pourquoi j'ai choisi de prendre la noire? C'est pas pour vous embêter, parce que je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent la version RAL 8000. La version RAL 8000, on a pu la voir, on peut la voir, on pourrait la voir, par exemple chez les gens qui sont au premier RPIMA, entre autres. Moi j'ai choisi de prendre la version noire tout simplement parce que les premiers HK416 A5 qui ont été achetés sur étagère par le CPA10 par exemple, étaient des versions noires. Voilà, ils ont reçu ça je crois en 2014, ça doit être à peu près ça, 2014, ou peut-être fin 2013, en même temps que les Glock 17 Gen 4. Et puis je vous avoue quand même que je préfère le noir. Et puis cette réplique elle est parfaite si vous voulez vous faire une tenue française du futur. Alors pourquoi du futur? Parce que les 416F... pas forcément tous là encore, hein. Je crois qu'on n'est pas prêt de les voir pour certains. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser voir la vidéo de présentation qui a été faite par l'armée de terre. S'il y a quelqu'un du service com de l'armée de terre qui veut que je supprime le son ou que sais-je, ou que je leur verse les 4 centimes et demi que va me rapporter cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter parce que effectivement j'ai pas pris le temps de contacter justement l'armée de terre pour savoir si je pouvais me servir de leur vidéo. Simplement, elle est courte, elle est pas mal, et puis elle présente plutôt pas mal le fusil. Bon, voilà, je suis désolé, je vous retrouve dans 1 minute 50 avec des mecs qui viennent taper à ma porte. Présent au sein de notre institution et sur tous les théâtres d'opération depuis les années 80, le FAMAS n'a pas à rougir de sa carrière, bien au contraire. Il est temps pour lui de laisser sa place à la nouvelle recrue, le HK416F. Le HK416F, de par sa modularité, va pouvoir s'adapter parfaitement à chaque soldat et ainsi permettre de gagner en efficacité. Deux versions équipement aux soldats, une version standard de 90 cm pouvant accueillir une baïonnette et effectuer des tirs de grenade à fusil. Une version courte de 80 cm. Hormis cette particularité, les deux armes seront strictement identiques. Crosse réglable, bretelles à fixation rapide ajustable, 4 rails Picatinny pouvant accueillir l'ensemble des accessoires, bipied, baïonnette, lance-grenade ou optique. Cette arme a été pensée pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. Équipé d'un calibre 5,56 autant, de chargeur de 30 coups, une seule configuration de l'arme, plus de droitier ou de gaucher, réglage des organes de visée simplifié et un ensemble d'entraînement au tir à blanc comprenant un nouveau bouchon pouvant résister au tir à balle ordinaire ainsi que des chargeurs jaunes d'identification. Simplicité de démontage et d'entretien, cette arme est capable de tirer dans toutes les configurations et dans toutes les situations. Ce nouveau binôme ne demande qu'à démontrer son efficacité en opération.
discute, le gars dans la vidéo, il utilise un 416FS, donc version standard. Il y aura le 416FC, version courte, qui sera celui-ci, 11 pouces, l'autre c'est un 14,5. Donc globalement sur celui-ci on va pas pouvoir mettre la baïonnette, il n'y aura pas la possibilité de tirer les grenades à fusil comme sur le modèle 14,5, enfin je pense pas. Hein. Et puis on va dire la grosse différence entre le A5 et puis le F, ça va être la crosse. A priori dans le contrat, les militaires ne vont pas recevoir cette crosse slimline, mais la crosse E1. Qu'à cela ne tienne, on va mettre la crosse E1 hop, sur le A5, en espérant que ça rentre. Ah, bon, y a toujours un peu de jeu sur les crosses de FC. Hein. Ouais, ça passe. Donc voilà, la crosse E1, le A5. En plus, l'arme sera livrée avec 10 chargeurs et puis les deux talons de crosse, hein, concave et convexe. Donc ici, à la limite, j'ai juste à changer les organes de visée et encore. Et puis, je devrais pas être trop mal, j'ai pas fait gaffe sur la vidéo s'ils avaient le grip classique type Tango Down ou le Battle Grip V2. Battle Grip, hein, c'est, je crois que depuis le début de la vidéo, je vous dis Combat Grip, c'est Battle Grip. Hein. Je vais mettre un petit peu de gaz dans le chargeur, on va voir comment ça kick. Hop, changement de binocle. Donc ici, du green, hein. Il fait un peu chaud dans la pièce, il doit faire 26. Ce sont vraiment les dernières générations de chargeurs Stanag de chez VFC. Apparemment, ils sont pas mal. Donc vous voyez ici, mon chargeur est vide, donc mon lanceur mobile est vers l'arrière. Ici, pensez bien à ramener quand même votre poignée d'armement. Et puis, donc, juste avec mon index, là, je peux renvoyer l'ensemble mobile vers l'avant, c'est génial. Donc je vais laisser mon doigt sur l'arrêtoir. C'est sympa. J'aime bien. Alors la détente plaira peut-être pas à tout le monde. Il n'y a vraiment pas de course. Enfin, j'ai mon doigt dessus, je tire, bim, c'est parti. Le reset est super court. C'est pas mal, hein. Alors, pour l'entretien, le démontage sommaire, vous avez une goupille ici, voilà, que vous chassez. On casse la réplique en deux. Ici on peut voir l'interne, c'est sympa. En plus il y a beaucoup de choses en acier. Le marteau aussi, hop, est en acier. La gâchette est en acier. L'arrêtoir des deux côtés, au milieu, tout, enfin tout est en acier. Le percuteur est également en acier. Les boutons de désengagement du chargeur sont en acier également. Le cache-flamme est en acier. Je crois que je vous ai dit des bêtises en début de vidéo. Il semblerait que le canon externe soit en acier. En tout cas, ça aimante. Le bouton d'aide à l'armement est en acier, l'attache-chambre est en acier, ici l'écrou est en acier. Moi j'aime bien quand il y a de l'acier. Alors ça veut pas dire que ça va pas casser, hein, mais ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Pour l'entretien courant, vous allez tirer ici le levier d'armement et puis pouvoir enlever l'ensemble mobile. Voilà, il n'est pas super lourd, hein, je le pèserai pour la review. Et ici vous avez donc le nozzle. En plastique, c'est un nozzle V3. Voilà. Ce qui est sympa, car à l'intérieur ici, vous avez une valve qui est réglable. Comme sur le Scarash, comme sur les M4 et les HK416 qui sont équipés de la V3 de ce nozzle. Donc c'est pas mal. Alors le nozzle est en alliage, mais par contre les guides ici sont en acier. Hein. Et donc vous avez une pièce également ici en acier, là où l'arrêtoir de culasse justement va venir taper à chaque fin de chargeur. Ici on va donc avoir l'amortisseur et puis son ressort. Voilà. Donc, le ressort assez balèze. Et puis ici vous avez un autre ressort, voilà, qui va amortir d'une part et puis pouvoir renvoyer la pièce vers l'avant un peu plus rapidement. C'est sympa. J'aimerais bien enlever le rail juste pour voir le système de réglage de hop-up, si ça vous ennuie pas. Espérons que ce soit pas serré comme une brutasse. Ça fait un peu de limaille quand même. Voilà.
Ok. Le rail. Et ce qui est sympa, enfin j'avais peur moi que du coup on perde justement ce système, enfin ce faux système d'emprunt des gaz. Vous savez que sur le HK416, contrairement à un AR15 classique, on va pas avoir un tube qui va nous emmener du gaz jusqu'ici et puis venir tout pourrir. C'est un petit piston ici qui va faire reculer un ressort, une tige qui va faire reculer un son mobile et ça va cycler comme ça. Donc là j'ai mon réglage de hop-up que je fais tourner d'un côté, de l'autre. Ça fait tourner une tige qui va vraiment jusque, bah, jusque là-bas et puis qui va régler le hop-up quoi. Vous inquiétez pas, je vais démonter tout ça pour la review qu'il y aura sur le blog. Je remonte ça, il me fait de la peine, là il est tout nu. Ah ah, attendez. Ok, la feinte. Vous voyez ici en fait, c'est cette partie qui est en acier. L'autre partie ici du canon externe, elle est en alliage, je me disais aussi. Hop, donc en sortie de boîte, vous me nettoyez tout ça, hein, vous me refaites un petit nettoyage, lubrification, etc. Hop, pas que ça accroche trop. Et puis voilà, bah, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce HK416 A5 de chez Umarex / VFC. Merci encore à Begadi qui m'a envoyé très très rapidement et puis sans vraiment poser beaucoup de questions cette réplique à 500 balles. Merci à Bruce également de les avoir contactés de ma part. Franchement, je suis super enthousiaste. Alors, pourquoi je suis super enthousiaste? Mon Dieu, c'est un GBBR VFC. Alors, effectivement, il y a quelques années, quelques mois de ça, on pouvait encore dire, voilà, les GBBR VFC, c'est pas forcément fiable, ça tire pas très droit, c'est le bordel, faut bidouiller, etc. Je peux vous dire que j'en ai eu quelques-uns entre les mains, des GBBR VFC, et j'ai toujours un petit peu galéré pour en faire quelque chose. Là, c'est le deuxième de suite, donc le Scar H, que vous avez pu voir en review dans Feu Red Dot, et que je mettrai bientôt disponible sur mon blog. Et puis ici, ce 416 A5, où je l'ai sorti de la boîte, le truc, j'ai mis des billes. Bon, j'ai mis le 0,28, hein. J'ai mis des billes, j'ai mis du gaz, j'ai mis le chargeur dans le truc, j'ai réglé le hop-up, quelques billes, hein, 5-6 billes, tac tac tac, ça tire droit, ça tire loin, ça kick, vous tirez en semi-rapide, effectivement il fait 25 degrés en ce moment, donc ça dégasse pas. Ce que j'essaierai de faire, c'est de mettre le chargeur et puis l'ensemble mobile au frigo quelques minutes, pour voir si ça tient un petit peu le semi-rapide par temps froid. Hein. On va pouvoir régler la puissance de cette réplique par l'intermédiaire de la petite valve réglable là. Alors la clé Allen n'est pas fournie, mais bon, c'est une petite clé Allen normale, c'est du 2 je crois. Ce qui peut un petit peu piquer les fesses, voilà, outre le prix de la réplique, que moi je pensais franchement allait être aux alentours des 600-650 €. Là on est à un poil moins de 500 €. Bon, c'est, on va dire que c'est le prix standard, voilà, pour ce genre de réplique. Pour Umarex qui croit que tout le monde fait du tir sportif à plomb. Donc ce qui va pouvoir piquer encore plus, c'est le prix des chargeurs. Déjà trouver les chargeurs spéciales HK416 avec les marquages et puis cette fameuse valve et tout. J'ai regardé un petit peu, en Europe on est entre 60 et 75 € pièce. Alors pour moi c'est carrément trop cher. A priori on peut les trouver aux alentours des 45 $ en Asie. Après il faut voir si c'est les mêmes versions parce que bah, y a eu différentes générations de chargeurs aussi chez chez VFC, donc à voir si ça tient aussi bien, etc. quoi. Donc ça, je vous tiendrai au courant dans la review écrite et pendant les tests de tir. Je suis vraiment très très satisfait de la finition de cette réplique. Enfin voilà, je suis super content parce que bah, voilà, je suis un fanboy. Hein. Comme je vous le disais, ça a l'air de tirer droit, mais je ferai quand même d'autres tests. Et si, avant de conclure, oui, les marquages, les go, machin, ils les ont mis. Ils ont été très très malins sur ce coup-là. Regardez où ils sont. Vous les voyez là, à côté de la queue de détente. Franchement, c'est chouette qu'ils aient pas collé ça en plein milieu du receveur supérieur comme ils ont l'habitude de le faire. Non, franchement, je suis vraiment très très content. Moi qui aime particulièrement dans l'airsoft, le fait d'avoir des répliques qui se rapprochent le plus possible de la réalité au niveau aspect, on va dire. Là, c'est franchement très très sympa si vous êtes droitier, gaucher. Après, effectivement, si on n'est pas réceptif à ce style un petit peu AR15, etc., bon, remarquez, je suis pas super réceptif au style AR15, mais il faut bien vous les montrer, les gars, parce que c'est 90% des répliques qui sortent. Hein. Mais là, quand même, HK416, j'adhère. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous pensez à première vue de cette réplique au niveau visuel, etc. Est-ce que, par hasard, vous auriez acheté déjà un HK416 A5 de chez Umarex / VFC? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des casses? Est-ce qu'il fonctionne bien?
quelle couleur vous avez choisi. Si vous avez aimé cette vidéo, la petite pause qui va bien. Si vous n'avez pas aimé, vous gênez pas, mettez un petit pouce vers le bas, c'est pas un souci. Vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner également si c'est pas déjà fait. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, le mieux c'est de me suivre sur la page Facebook, parce que c'est là que je mets vraiment tout ce qui se passe, toutes les nouveautés, que ce soit en review écrite ou en vidéo. Ça fait déjà trop longtemps que je parle, maintenant je vais aller mettre des billes là-dedans, du gaz, aller courir dans le jardin, et puis je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bisous.